Bonjour à toutes et tous, bienvenue au Jardin du Dauphiné pour une nouvelle vidéo consacrée aujourd'hui au semis de tomates bouteilles. Donc la saison 2021 commence. Aujourd'hui nous sommes le samedi 20 mars, jour du printemps. Premier jour du printemps et nous sommes toujours en lune croissante. Donc c'est la période idéale pour faire les semis en prévision d'une plantation en pleine terre. Aux alentours du 15 mai, juste après les 5 glaces. Donc on va faire un petit tour d'horizon de mes semis 2021. C'est parti. Alors comme je vous le disais à l'instant, premier jour du printemps, samedi 20 mars 2021, nous sommes toujours en lune croissante jusqu'à la pleine lune. Donc vous pouvez faire vos semis jusqu'à la pleine lune aux alentours du 28 mars, après ça risque de faire un petit peu tard pour les semis, mais vous avez encore un peu le temps. Donc moi c'est mes premiers semis de l'année. Donc changement par rapport à l'année passée, j'ai pas utilisé de bouteille en plastique transparente, de bouteille d'eau. Cette année j'ai pris ce que j'avais sous la main, à savoir une grande quantité de bouteilles de lait, vide bien sûr. Donc cette année ça sera le seul changement. Après, au niveau des semis, rien ne change. Je continue sur les mêmes variétés qui poussent très bien chez moi, à savoir de la cœur de bœuf. Cœur de bœuf, on a de la noire de Crimée, on a de la tomate ananas, on a de la cœur de bœuf bigarrée, de la cœur de bœuf orange, de la rose de Berne, de la tomate russe, une grosse tomate tardive. Et puis, je crois qu'on a fait le tour. Mais essentiellement de la cœur de bœuf. J'ai fait à peu près 17 pots de cœur de bœuf. Et bien voilà, maintenant je vais rentrer tout ça au chaud, juste à côté de la baie vitrée. Et puis on va surveiller tout ça de très près jusqu'à la levée. Après, rien ne change par rapport aux vidéos précédentes. Donc si vous allez sur ma chaîne, vous allez voir un petit peu le cheminement de la levée des semis de tomates de l'année passée. Donc vous reprenez les liens, les vidéos, et ça vous permettra de tout comprendre. Et bien écoutez, je vous souhaite bon jardinage et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos Jardin du Dauphiné. Bye bye.